Quand je suis fatigué, quand je suis dégoûté, quand les amis me laissent, quand le soleil est parti, quand au loin l'orage ronde, quand je suis épuisé et que je ne vois que l'ombre dans mon cœur, je me dis, c'est un ami merveilleux qui me conduit dans la vie, qui est en Bien-aimés frères et sœurs, encore ce matin, Dieu vous bénisse. Je viens par cette chance-ci vous saluer. J'étais à la maison lorsque une de mes nièces m'a apporté cette pensée. Souvent les choses se passent. Cela semble être une coïncidence. Dans Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu sait pourquoi il fait des choses. Alors, quand il a envoyé la pensée, elle est devenue nationale, catholique. Et j'ai pris, cela m'a fait bien. Et j'ai amélioré. Et j'ai décidé ainsi de l'apporter au peuple de Dieu. Vous connaissez l'autre du seulement. Dans le livre des Proverbes, il y a un passage qui parle un peu de cela. Les deux couteaux finissent par percer le rocher. N'est-ce pas? Et elle disait comme ça que l'autre du seulement finit toujours par l'emporter sur le rocher. Et c'est la vérité. Et soit l'eau creuse le rocher pour se faire un passage, à force de ruisseler, de ruisseler, de ruisseler, l'eau finit par polir le rocher. Si le rocher balaie la place de l'eau, alors l'eau, en ruisselant, continue son œuvre. Au premier jour, vous ne verrez rien. Un mois, vous allez venir, peut-être que vous n'allez rien apercevoir. Et de la patience, sa mère, et de la persévérance, amen, l'eau fait son travail. Amen. Des années plus tard, vous verrez que l'eau s'est frayé un chemin. Si le rocher qui est là persiste, l'eau finira par le séparer, par le creuser et le séparer et finira par le trimballer. Afin qu'il puisse dégager le passage. N'est-ce pas? Et cela, ce qui est remarquable dans cela, ce n'est pas la force. Mais c'est petit à petit que l'eau finit par y arriver. Et non pas par la force, mais par la persévérance. Persévérer, je lui crois. Je me refais. Et constant. Ça peut être dur. Ça peut être difficile. Mais ne désespère pas. Tous les découragements ne l'emportent pas sur toi. Dans la patience, dans cette persévérance à bien faire, parce qu'il faut persévérer dans quoi? Il y a une seule chose qui l'emporte sur Satan. Une seule chose peut avoir le dessus sur l'ennemi.
C'est la parole de Dieu. Alors si nous sommes persévérants, si nous sommes constants dans la parole de Dieu, alors, comme nous le voyons, nous finirons par l'emporter. Il n'y a rien qui pourrait nous résister. Alléluia! Tout à l'heure, j'ai vu le fait de l'Alléluia. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis aussi content de voir ma soeur Doris, les enfants de Dieu sont les enfants de Dieu. C'est dans ce milieu-là que nous avons notre sérénité, notre bien-être. On ne peut l'obtenir ailleurs. Notre Dieu est le seul bien le plus précieux qu'on a. Alléluia. Alors, quand j'ai vu cela, j'ai lu aussi ce passage. Ce passage ne nous concerne pas directement. Mais de manière indirecte, ce passage aussi nous concerne. Mais à ceux-là qui ne prendront pas date, ces passages-là vont les concerner aussi demain. Quand Dieu nous révèle des choses, dans son amour, c'est pour nous épargner. C'est pourquoi nous disons souvent que le Seigneur nous aime. Le Seigneur ne nous aime pas parce que nous, nous l'avons aimé le premier. Mais c'est lui qui nous a aimé afin que nous aussi nous puissions l'aimer. Si nous comprenons cela, alors c'est certainement que nous serons dans la bonne voie pour y arriver. Le frère Asia tout à l'heure chantait son petit. J'ai écouté aussi la petite de Frata chanter avec beaucoup d'émotion. J'ai vu que le maître pleurait. Elle a si bien chanté. Comme elle a bien chanté. À la fin, moi, je lui dois le biscuit. Et puis, on est où? Amen. Et nous devons vraiment aider nos enfants également à être ici. C'est tout petit qu'on apprend la spiritualité. Quand on le fait bien, on grandit dans la sérénité. Et c'est comme cela. Et la tienne aussi a chanté son cœur. J'ai aimé ce cœur-là. Beaucoup de frères sont dans cette situation. Mais Jésus, lui, il ne te dégagera pas comme les hommes te dégagent. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais lui, Jésus, il n'abandonne jamais. Je voudrais que la sagesse, un frère va prendre sa place. Que le ministre de la sagesse, on va chanter encore du cœur ensemble. Alléluia. C'est un ami merveilleux. C'est bon de savoir ce chose. Ces paroles qui sont à l'intérieur quand tu écoutes cela, j'aurais voulu, j'ai vu mon frère Donald qui pense de Baptiste, alors que ces paroles lui auraient fait tant de bien. Alléluia. C'est le Seigneur qui porte. C'est le Seigneur qui consomme, c'est le Seigneur qui rétablit. Nous, les serviteurs de Dieu, notre rôle, c'est quoi? C'est de ne pas de condamner un frère, ou de le juger, mais c'est de l'aider à être ce que Dieu voudrait qu'il soit. Nous nous prenons souvent d'une certaine manière, parce qu'on se dit que c'est la bonne manière. Mais à un moment donné, on devient la vieille et on apprécie. En fait, d'utiliser encore la meilleure, la manière la plus adéquate. Donnez un micro au ministre Adia. Il y a longtemps qu'on a chanté ensemble. Nous devons souvent chanter ensemble. Si Adia se porte bien, je pense que les bonnes choses reviendront. Alléluia. Oui, le cœur. Et l'autre du cadre. Alors, il a dit ici, quand je suis fatigué, n'est-ce pas? Quand je suis dégoûté, quand les âmes, les amis me laissent, quand le soleil est parti, le soleil c'est la vie, le soleil c'est la lumière, le soleil c'est de l'espoir. Quand le soleil se couche, dans la vie d'un homme,
Ça veut dire que tout devient noir. Amen. Tout devient difficile. Tout devient pénible. On ne comprend plus rien. Il n'y a plus personne de nous comprendre. Alors il se prête que des moments arrivent où le soleil s'en aille. Mais le soleil ne finit plus par se lever. Amen. Et quand le soleil est parti, quand au loin l'orage gronde, tout se bouleverse autour de nous. Les grondements de tonnerre, l'orage, les difficultés sans fin, les problèmes qui s'empilent. Et là, le désespoir qui nous visite. Quand Jésus est épuisé et quand l'homme est dans tous ses tourments, il ne se retrouve plus. Il est épuisé, il n'a plus de force. Et le Seigneur se permet à ce que nous arrivons là. Pour que tu comprennes que Jésus, non seulement il n'est pas comme un simple homme, mais il est tout pour toi. Pour dire, personne ne te sortira de cela si ce n'est le Seigneur Jésus lui-même. Parce que tu es épuisé. Tu regardes à côté, tu vois ton frère, mais il ne peut rien faire pour toi. Tu tournes le regard de l'autre côté, tu vois ta soeur, tu vois ton épouse, ta femme, tu vois tes parents, ils ne peuvent rien faire pour toi. Alors je lui dis, regarde vers le ciel. Amen. Et bien je ne vois que l'ordre. Dans mon cœur, je me dis. Alors l'espoir vient, l'espoir naît, l'espérance apparaît. C'était l'ami merveilleux. Mais est-ce que nous l'avons goûté? Est-ce que nous le connaissons? Amen. Nous le disons, Jésus est merveilleux. Oui, bien aimé, c'est un ami merveilleux. Il ne te trahira jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. C'est ainsi qu'est le Seigneur. Nous, on peut t'aimer d'une manière. Ça fait chauffer, on va courir. Mais lui, il ne fuira jamais. Jésus n'a pas fui de preuve. Pour nous, il a bravé les preuves. Ça vous dit, il y a quelqu'un qui t'aime. Même si les hommes ne te comprennent pas, si tu penses que les hommes ne t'aiment pas, lui, Jésus, là, il est un homme. Dieu est devenu homme et lui t'aime. Et lui te comprend. Alors, c'est lui qui me conduit dans la vie. Cet ami merveilleux, qui est homme, mais aussi Dieu. Ah. Mais c'est parce qu'il est Dieu qui peut faire toutes ces choses. Amen. Et qui toujours il me sourit. Quand même ça ne va pas, il me regarde avec ce sourire merveilleux, ce sourire resplendissant, ce sourire qui nous guérit. Ah. Et puis, quand plus rien ne va, il me dit, mon petit, même si tu as 80 ans, tu es son petit. Amen. Parce que ce n'est qu'une goutte d'eau de la mer. Amen. Lui, elle vit dans la brûlure, ça fait un seul jour. Quand tu as fait 1000 ans, Dieu dit que maintenant mon fils a un jour. Donc ce n'est pas tes 80 ans. Tu vas t'amener à taper la partie. Amen. Si tes cheveux ont blanchi, mon frère, 80 ans, c'est les miens. C'est pas le problème qu'on peut blanchir tes cheveux. Sinon, c'est les miens. C'est une goutte d'eau. Amen. Alors il dit, mets ta main dans ma main, mon petit. Et il le dit de ma même voix, dans ses voix. Et sans cesse, il le dit. Alléluia. Quand le ministre a fait chanter, le diable vous a fait sur les mandats, veut nous empêcher de faire le soutien. Il amène les problèmes dans les foyers. Il amène les problèmes dans la vie des secteurs de Dieu. Il essaie toujours de créer des bouleversements pour empêcher les sympathies de servir le Seigneur comme il se doit. Quand tu as esprit, celui-là qui ne comprend pas, dit, mais lui-même dit quand même. Toujours c'est ce qu'il dit. Mais c'est la réalité. Et Dieu sait que c'est vrai. Ah. Tu ne veux pas s'élever, mais parce que tu n'es pas dans la position d'un serviteur de Dieu pour comprendre. C'est vrai. Si Adia est disposé, Adia a lu seul. Par le temps que Dieu a mis en lui, il peut remplir la salle. Mais le diable, l'empêche du diable, l'a obligé d'aller réfléchir et chercher. Et ça devient difficile. Mais
Mais le Seigneur est plus que Dieu. Ah. À qui a-t-il de notre le groupe musical est prêt? À qui a-t-il il connaît bien le nom. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tout le temps en chante des paraphrases. Oui. Comme en parlant. Amen. Quand je suis fatigué, quand les amis me laissent, quand le soleil. Est parti, quand au loin l'orage ronde, quand je suis épuisé, et que je ne vois que l'ombre dans mon cœur, je me dis, c'est un ami merveilleux qui me conduit dans la vie. Ah!
lui dans l'Apocalypse. Il est dit ainsi, le verset 9, et un autre, le troisième ange, suivit, en disant d'une forte voix, si quelqu'un adore la bête et son mal, et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans les lieux, dans le feu et le souffle. Alléluia. Que le bien-aimé veille au moins un peu, le niveau. Devant les saints anges, fumés de leur tourment, montent au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints. Ce passage, ces versets que j'ai lus, ne concerne pas les fils et tout. C'est après l'enlèvement que ces choses vont se dérouler. Parlant de la marque de la bête, de l'image de la bête, de celui-là qui va avoir la marque, le signe sur le front et sur la main. C'est pour dire que tous ceux qui vont prendre part au système de Rome, au système de l'Église catholique et de sa vie, vont subir cette peine-là. C'est une prophétie de Dieu. La meilleure manière d'échapper à cela, c'est de se prédisposer dès maintenant à prendre part à l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, bien aimé, ce qui va arriver sera terrible. Et on ne souhaite pas cela faire. Mais on se dit, mais à quel moment cela peut se passer? Cela peut se passer demain. Même à partir de jeudi soir, une fois que l'église s'en serait allée, alors ce qui est en train de se décrire ici va prendre forme. Mais là, c'est par des situations difficiles. Soit tu acceptes de mourir pour Christ, ou bien soit tu n'acceptes pas. Parce qu'on te prend avec des persécutions directes. On va te prendre, on va commencer par te scier pour te demander de le renier. Pour te demander de ne pas le reconnaître. Mais si tu as appris à ne pas te donner de la voix du Seigneur, mais il est évident que tu vas le renier. Maintenant, si tu te renies, qu'est-ce qui va se passer? Cela veut dire quoi? Que tu pousses la pensée du diable et du système de l'homme. C'est cela, la marque sur le front. Les hommes mettent des signes en 636. Les hommes en font des dessins bizarres. C'est spirituel. Si tu as rejeté Christ, automatiquement tu épouses la pensée de Babylone. Alléluia. Les hommes ignorent. L'Église catholique, les prêtres eux-mêmes reconnaissent que l'Église catholique est la Babylone. L'homme ne veut pas la parole de Dieu. Ils le confessent, ils le savent. Mais le peuple qui les suit ne sait pas. Et Dieu a promis Babylone. Alléluia. À cause de leur peur et du bien-être de l'amour de l'argent.
l'amour du luxe, l'amour de la nourriture, l'amour du boire et du manger. À cause de cela, ils vont brader leur droit. Vu l'homme, il est comme ça. Et regarde ce qui se passe tout près là. Mais il ne pense pas ce qui est devant. Alléluia. Et le Seigneur dit, c'est ici la persévérance des saints. Oui, pendant cette période, il y aura aussi des saints. Et ces saints vont braver l'adversité. Ils vont résister au système de l'homme. Ils vont refuser la mort et l'image de la bête. Ils vont refuser le signe sur le front et sur la main. Ils vont résister cela. À cause de cela, ils vont être tous tués. Ça veut dire, si tu as raté l'enlèvement, la seule chose pour moi d'être agréé par le Seigneur, c'est d'accrocher à la vérité et d'accepter de mourir. Là, il n'y a pas dit que le Seigneur vient en train de trouver les chrétiens vivants. Parce que la grâce serait quittée, aurait quitté les nations. Et la grâce serait arrivée maintenant pour les juifs. Tous les élus juifs, les 144 000 seront tués. Tous les croyants des nations qui auront accepté le Seigneur seront mis à mort. Et c'est après cela qu'ils vont être ressuscités pour participer au millénaire. C'est le privilège des tribulateurs à ça. C'est-à-dire que tu vas vivre des moments pénibles, mais à cause des moments pénibles que tu vas vivre parce que tu vas partir dans l'enlèvement, alors maintenant Dieu va te ressusciter parce que tu as accepté de mourir en son nom. Et quand il va te ressusciter maintenant au million, là où nous on sera. Parce que Dieu c'est nous aussi. Et je ne vais pas dire ça. Toi tu ne seras pas ça. Parce que tu n'es pas un élu. Il ne dit plus. Un élu de l'épouse. Parce que tu as manqué l'enlèvement. Alors toi nous servis. Alléluia. C'est nous qui t'a envoyé. C'est nous qui dit, va faire ça. Nous, on sera à l'aide. Et comme toi, tu as joué avec ton élection, tu vas devenir serviteur de l'épouse et de l'époux. Ça. Bien aimé, c'est quelqu'un qui va venir t'arracher ça. Tu vas laisser ton mari t'arracher ça. Tu vas laisser ta femme t'arracher ça. Tu vas laisser tes parents, tes frères et tes soeurs t'arracher cela. C'est un frère à Christ, tu vas venir te prendre de cela. Mais nous avons dit tout à l'heure, quand on parle de l'amour de Dieu, on ne dit pas de ça. Si ton frère agit mal, ce n'est pas lui qui doit te pousser à mal agir. Cela ne peut plus te forer. Il agit mal avec toi. Agis bien avec lui. Parce que tu sais où tu vas. Les douleurs passagères sont quoi auprès de ce que Dieu lui te promet? Ce n'est rien. C'est pourquoi nous devons être persévérants. La persévérance des saints. Aujourd'hui, nous sommes des saints et nous devons persévérer. C'est pourquoi je vous ai lu une fois de l'eau du rocher. L'eau de ruissellement. Nous sommes des sources d'eau vive. Alléluia. Nous ruisselons. Il y a un problème dans la vie. Par la patience et la persévérance, alléluia. Par la prière et la foi, il faut mettre cela entre les mains de Dieu. Petit à petit, tu vas finir par vaincre le rogue à lui. Amen. C'est le travail. Les enfants de Dieu doivent comprendre cela. Alléluia. Oh, bien-aimé. Et il dit, c'est ici la persévérance qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Gardez les commandements. Avoir la foi c'est la doctrine. Gardez les commandements et la foi en Jésus. Alléluia. Persévérez là-dedans. Or la persévérance, comme nous le disons,
de le faire. Dans les commandements de Dieu, dans la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Non seulement tu es faible, mais tu es constant. La constance. Aujourd'hui, tu ne peux pas voir demain, tu es blanc. Si Dieu t'a fait blanc, si tes œuvres sont bonnes, demeure constant dans ses bonnes œuvres. Il faut demeurer constant dans la parole de Dieu. Quand quelque chose va arriver, sache que c'est Dieu qui t'a en train d'éprouver. Dis-lui, Seigneur, c'est vrai que c'est dur, mais ne me laisse pas dire des choses ou bien faire des choses qui sortent du cas de ta parole. Amen. Je ne peux pas venir. Et quand le temps de Dieu passe, alors tu fais un point. Est-ce que quand le peuple est venu, je suis resté constant? Alors le Seigneur t'est pour nous. Si tu as pu apprendre à être constant, alors cela te montre que c'est de la classe de Dieu. Alléluia! Et que c'est toi qui vas dire à demain à un frère, il faut aller m'acheter ça. Il faut faire ça pour moi. Il faut entrer ici. Et puis là, dans la raison du haut, il veut que je ne peux pas exécuter. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait le droit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous lever. Le ministre Adou va venir prier. Nous allons baisser la tête pour recommander la parole de Dieu à ce même Seigneur. Nous nous réjouissons, Éternel, de ce rassemblement-là. Parce que nulle part ailleurs, Éternel, la joie n'est aussi parfaite. Voilà que, Éternel, tu nous donnes maintenant de pouvoir entendre et comprendre ta parole. Nous te confions ton serviteur. Celui-là même, Éternel, que tu mandates ce jour, afin de parler, Éternel, à notre cœur. Éternel, sur le pasteur de l'Assemblée, nous te prions, afin que dans le nom de Jésus-Christ, toute parole qui sortira de sa bouche, Éternel, que ce soit uniquement de toi seul. Et que, Éternel, au sortir, Éternel, de ce lieu, chacun de nous soit vivement transformé. Amen. Et que, Éternel, notre vie, Éternel, soit toujours conforme à tes recommandations. Amen. Et que les bénédictions découlant puissent véritablement avoir leur effet dans notre vie. Béni sois-tu, ô Dieu, de ce que tu manifestes maintenant ta grâce dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse ton Saint-Esprit. Alors, nous allons prendre l'année de Romains. Pour débuter notre sujet, toujours dans la préparation, pour les noces de l'agneau, nous nous préparons. Nous devons être non seulement conscients les uns, les autres, être sincères, alléluia, avoir des cœurs honnêtes et bons, pour que ces choses-là aient des effets en nous. Le chapitre 8, le verset 28 de Romains, tout nous ici, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui se passe, Dieu dit, ce qui arrive dans ma vie, cela concourt pour ton bien. Mais pourquoi? Parce que tu l'aimes. Alléluia. Si ça ne va pas, c'est parce que je veux se glorifier. Mais maintenant, le fait que ça n'aille pas, laisse-lui le soin de se glorifier dans ta vie. Il faut te disposer à cela. Car ce qui a connu d'avance, il a fait quoi? Il est aussi prédestiné. Donc si nous sommes là, c'est parce que d'avance Dieu nous a connus. Le Seigneur te connaît avant. Avant que tu ne sois assis là, avant que tu ne viennes ici, il te connaît. Et bien aimé, est-ce que moi je te connaissais? Non. Est-ce qu'un frère ou bien une soeur te connaissait? Non. Mais lui, Jésus, il te connaissait. Et il t'a appelé à lui. Il t'a conduit dans sa maison. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? T'es bien conduit. Il t'a maintenant prêté.
prédestiné. Oh, prédestiné. Cela veut dire quoi? Que tout ce qu'il a préparé, tout ce qu'il a mis en place, j'étais destiné à cela. J'étais préparé pour cela. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on veut. On est fils et fils de Dieu parce que dans l'enfer, le Seigneur nous connaissait et il nous a prédestiné à l'être. Quand tu as une manière de voir ici, là, Satan ne peut pas venir jouer avec toi. Parce qu'il sait que tu sais ton droit. Il sait que tu sais où t'es guidé et où est-ce que toi tu t'en vas. Alléluia. Continuons. Alors, il nous a prédestiné à être semblable à l'image de son fils. C'est l'objectif là, ça. Il m'a conduit. Avant que le monde ne soit, Jésus me connaissait. Il te connaissait. Et maintenant, il nous a manifesté. Nous ayons été, nous ayons manifesté. Il nous a appelés à lui. Et il a été prédestiné. Il nous a envoyé dans sa maison afin que nous puissions ressembler à ce qui a été son fils. Jésus-Christ. Voilà l'objectif à terre. Alléluia. Avec la semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Bien-aimé, là aussi on va faire attention. Il n'est pas dit le premier-né de tous les frères. On dit beaucoup. Mais tu es un frère. Tu es une soeur. Que tu as été connu de lui et que tu as été prédestiné pour être semblable à son image, bien aimé, cela veut dire quoi? On t'a appelé à quelque chose dont tu ne sais même pas. Alors, c'est vrai que tu peux être un frère, mais l'élection risque de passer outre toi. Il y a beaucoup. Alléluia. Qui vont reconnaître cela, mais beaucoup aussi ne le connaîtront pas. Mais nous devons être parmi ceux-là qui avons reconnu cela. Alléluia. Le bien-aimé va m'aider à lire le verset 30. Je vais le verset 29. Verset 29. Car ceux qui l'ont connu d'avance, et là aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils. Nous devons ressembler à Jésus. Comment il parlait? Comment est-ce qu'il vivait? Comment est-ce qu'il marchait? Comment est-ce qu'il résolvait les problèmes? Comment est-ce qu'il voyait les uns et les autres? Comment est-ce qu'il prenait chaque frère et chaque soeur? Nous devons lui ressembler. Jésus ne résistera jamais personne. Jésus ne va jamais mépriser quelqu'un. Jésus sauve. Jésus aide. Amen. Jésus soutient. Jésus a toujours aimé. Et c'est ce que nous devons être. Oui, frère. Comment c'est toi? Afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Oui. Et ceux qui l'ont prédestiné les a aussi appelés. Donc, nous ayons prédestiné le fait que tu es venu t'asseoir là. C'est parce qu'il t'a appelé. Tu as gagné de la bonne disposition, bien aimé frère et soeur. Il dit qu'il t'a connu. Qu'est-ce qu'il dit qu'il t'a connu? Après avoir connu, ces personnes, il dit maintenant qu'il les appelle. Donc, c'est parce que nous avons été appelés que nous sommes là. Nous sommes assis. Si nous sommes, nous fait quoi? Ben, c'est parce que tu as entendu l'appel. Alléluia. Maintenant, je veux que tu sois venu t'asseoir pour écouter. Pour l'écouter. Tu fais quoi maintenant? À ceux-là qui l'ont appelé, oui, frère.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Oui. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc il nous a rendus. N'est-ce pas? Nous sommes rentrés dans les eaux de la terre. Nous avons été lavés, nettoyés, purifiés. Nous avons été justifiés. Ça vous dit, à partir de là, le Seigneur a déclaré notre justice. Maintenant, étant arrivé là, on fait quoi? C'est de persévérer dans ça. Dans cette manière, bien faire. Étant de Dieu, il nous a justifiés. Maintenant, nous avons été justifiés. Il fait quoi maintenant? Il vient maintenant pour nous sceller et pour nous glorifier. Parce que le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. N'est donné qu'à ceux-là qui lui obéissent. Et il a été justifié, Dieu a proclamé juste et saint. Donc maintenant, son esprit vient et te sert pour déclarer que Dieu maintenant habite en toi. Oui, frère. Et ceux qui l'a justifié, il est aussi glorifié. Oui. Que tu rends donc à l'égard de ces choses. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on attend toutes ces choses-là? Frère, qu'est-ce que tu te dis quand tu attends ça? C'est tellement. Tu te dis que tu es vivant. Tu te dis que Dieu t'a fait grâce. Parce que tu n'étais rien. Il dit qu'avant que le monde ne soit, il lui te connaissait. Et puis, t'ayant connu, il t'a appelé. T'ayant appelé, il t'a justifié. T'ayant justifié, maintenant, il te glorifie. Parce que tu crois de ça. Frère, qu'est-ce que tu dis de cela? Oui, frère. Si Dieu est pour nous, oui, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, si Dieu m'appartient, alléluia. Si le Seigneur est avec toi, qui va être contre toi? Ah. Il y a des signes, hein? Quand on parle de telles promesses, mais tu peux être là et puis ne pas te sentir concerné par ça. C'est vrai. Mais quand tu es concerné par cela, il y a quelque chose qui brûle dans toi. Amen. Parce que tu sais que le Seigneur, il est pour toi. C'est qui va te distraire? Mais quand tu doutes, c'est bien, les choses ne vont pas te partir. Dieu les a fleurs. Les promesses de Dieu sont ainsi. C'est la profondeur qui a dit, qui appelle la profondeur. C'est la parole en nous qui nous impose, et ainsi soit-il. Quelle est la chose à toi? Et que la chose de Dieu vient à toi, tu cries alléluia. Amen. On dit, si tu es pour toi, qui va être contre toi? Et puis on est assis. On est silencieux. C'est-à-dire que même peut-être que nous ne croyons pas à ça. Ah! Mais si tu ne crois pas à cela, quelqu'un va venir un jour pour dire toi, tu es de Satan, et puis toi quoi? Tu vas quoi? Ma vie appartient à Dieu. Jésus me dit, c'est pour Dieu que je suis le plus. Personne ne m'a lancé là. Ça appartient à Dieu. C'est pourquoi les promesses de Dieu sont pour moi. Je vais les vivre, je vais les manifester. J'appartiens à Dieu. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Faut t'élever. Il faut dire ce que tu passes. Il faut parler. Moi, je sais que Dieu est pour moi. Tu peux te rendre moi sur ton problème. Tout ce que tu peux faire ne va pas aboutir. Parce que je sais que Jésus est en Dieu et Dieu est pour moi. Amen. C'est cela l'élection, bien aimé. Si tu ne le sais pas encore cela, réveille-toi maintenant. Commence à travailler. Et que tu saches que désormais, cette chose t'appartient. Nous devons être conscients de cela. Oui, frère. Écoutons bien. Verset 32. Puis il n'a point épargné son propre fils. Oui.
mais il a livré pour nous tous. Donc, en réalité, son propre fils, il n'a pas épargné. Il n'a pas joué avec le soir, il a livré un sacrifice. Mais c'est pourquoi? Pour nous tous. Mais combien on nous suit? Le païen le plus méchant même, le pécheur le plus dangereux, le plus terrible. Jésus-Christ est mort pour lui. Mais il a accepté. S'il est élu, un prédestiné, il va abandonner sa mauvaise manière de faire et il va venir en Christ. Alléluia. Vous verrez les sorciers venir s'asseoir sur les chaises de la maison de Dieu. S'il est prédestiné. Le privilège qui t'est donné, la grâce qui t'a été accordée, n'est pas accordée à n'importe qui. Pour Dieu, tu n'es pas n'importe qui, mais tu ne sais pas. Quand est-ce que nous allons prendre conscience de notre privilège, de notre position avec Dieu? Quand? Dieu veut que nous sachions ce que nous sommes pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. Le verset 32. Verset 32. Mais il n'a point épargné son propre fils. Mais il l'a livré pour nous tous. Oui. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment? Il va nous donner toutes les choses avec lui. Toutes les choses, alléluia. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Qu'est-ce que tu veux? Bien aimé, il y a toutes choses là. Il y a tous les problèmes. Hein? Peut-être que votre problème, peut-être c'est une grosse villa. Mais quand Dieu parle de toutes choses, il parle d'abord des problèmes spirituels. Amen. Quel est ton problème? C'est une promesse. Il dit qu'il va nous donner toutes les choses avec lui. Mais il faut quoi? Ton problème là, c'est du où? Dans ta vie spirituelle. Dans ta spiritualité, comme nous sommes en train de parler avec la tienne, ça peut être une question de matériel pour équilibrer ta vie spirituelle. Si la tienne se met en genoux, pour lui, Seigneur, mon premier travail que tu m'as donné, c'est de te servir. Je suis prêt maintenant à te servir avec moi. Donne-moi ma nourriture quotidienne. Et fasse que je le sais. Parce que je ne veux que regarder demain à ça. Il va donner la force à Tia. Je dis que la Tia va se lever, va dire. Il faudrait que maintenant je mette la priorité sur le service de Dieu. Vous allez voir si Dieu ne va pas se débrouiller. Amen. Amen. On manque de pouvoir et de confiance en Dieu. Il a dit. C'est lui qui donne l'habitude. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui lui donne notre pain quotidien. C'est pourquoi il nous a donné ce secret. Quand vous allez vous lever, c'est comme une récitation, mais ce n'est pas une récitation. Il dit que c'est cette prière. Notre Père, qui est dans les cieux, donne-moi de sanctifier ton nom. Seigneur, nous sommes fatigués, que ton règne là, que veut ton règne vienne, qu'il vienne maintenant. On est épuisé du monde. Alléluia. Donne-nous notre nourriture, notre paix de ce jour. Chaque jour, je fais sa paix à chaque jour. Alléluia. Amen. Si ta Dieu t'a donné l'argent d'un mois, tu peux ne plus faire cette prière parce que l'argent d'un mois est venu. Alléluia. Mais il serait mieux que tu fasses. Alléluia. Parce que l'argent d'un mois là ne veut plus rentrer là-dedans. Maladie peut venir prendre ça. Oh, quand tu fais ta prière, quand tu te lèves, le Seigneur met la main là-dessus. Quand le malheur te vient, ou bien maladie après la main, le Seigneur dit non, 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 maladie. Et non, il voit. Ça là, j'ai mis ça pour la nourriture de mon fils. Faut pas rentrer là-dedans. Alléluia. Amen. Et il dit quoi? Pardonne-nous notre offense. Comme nous aussi,
pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que matin, quand tu te laisses, quand tu fais cette prière, c'est pour dire que le petit problème avec qui tu t'es fâché, tu es obligé de lui parler. Alléluia. Parce que tu demandes à Dieu, on est capable de pardonner. Parce que quand tu es conscient, quand tu es intelligent, selon Dieu, tu n'as pas demandé quelque chose à Dieu et puis faut t'en expliquer ça à ton frère. Ça nous préserve de beaucoup de choses. Parce que l'amour de Dieu est dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Ainsi de suite. Bien, nous continuons un peu. Le temps avance. Dans ma vie, oui. Oui. Qui accusera les élus de Dieu? Qu'est-ce qui va accuser les élus de Dieu? Amen. Ah. On doit faire attention. Un fait peut avoir à discuter. Un fait peut passer par des moments terribles et difficiles, comme on l'a dit tout à l'heure. Tout est sombre. Tout peut être noir. Tout peut paraître difficile. Mais si c'est un élu de Dieu, tu es là. Faut faire attention. Faut faire attention. C'est Dieu qui élève son enfant. Alléluia. Amen. S'il tombe cette fois, c'est Dieu qui le élève. Tout au long du Père également de ce qui ne va pas dans ta vie. Si tu te lèves pour commencer à regarder ton frère et à ta soeur, pour regarder ses défauts et ses faiblesses, même s'il est tombé, ton problème est où? C'est pas dans la vie. Dans cette blesse, et puis la boule à la vie. Laisse Dieu le relever. Alléluia. Qui a libéré les élus de Dieu? Tu es qui? Satan. Parce que quelqu'un s'élève et puis il commence à accuser un frère et une soeur, c'est l'œuvre du diable au travers de lui. L'accusateur, on n'a pas dit que Dieu a jamais accusé quelqu'un. On ne l'a pas dit que la parole de Dieu, quand elle a perdu de Dieu, la gaïne, une forme d'accusation intérieure. Si tu accuses de quelqu'un, si l'accusation est à toi, c'est que Satan est en train de travailler à toi. Faut faire attention. Parce que c'est lui l'accusateur des frères et des sœurs. C'est pourquoi il dit, quand cette parole est annoncée, la parole qui parle de qui accusera s'adresse à Satan. Qu'est-ce que tu vas trouver dans mon fils? Même s'il est tombé, c'est un prédestiné. C'est moi qui le relève. Et l'amour de ce relevé entre dans le frère. Et il ne sait pas de toutes ces formes de pouvoir sortir. On ne comprend pas. Il faut aimer le Seigneur. Il faut se relever de sa chute. Alléluia. Il faut sortir de son état maladif. Alléluia. C'est le vrai, c'est le même frère. Ton état maladif, tu dois abandonner cela. Et demander la guérison qui est le Dieu. Parce que tu es libre. L'idée est de continuer un peu. Je veux pas le laisser dans toi. Qui est qui devant les élus de Dieu? Oui. C'est Dieu qui justifie. C'est lui qui justifie. Il peut le relever. Le frère doit se relever. La soeur doit se relever. Parce que c'est Dieu qui justifie. Son sang est là pour cela. La grâce de Dieu est encore présente. Alléluia. Il vient de l'espoir pour chaque frère et chaque soeur pour se relever. Nous pouvons avoir une vie nouvelle. Si nous le voulons et si nous croyons en ce que Dieu dit, qui va les accuser? Oui, frère. Qui les condamnera? Qui? Est-ce que tu as fait pour condamner? Laissez Dieu agir. Les anciens travaillent. Le monde, c'est de réprimer. Avec amour, de ramener avec amour, d'aider, de soigner, de consoler, de fortifier, de guérir, de rétablir. Et c'est Dieu qui a agi au travers d'eux. Afin que l'enfant de Dieu reconnaisse sa position et que plus jamais le diable vienne pour le distraire et l'amener dans un état empirique. Amen. Les enfants de Dieu doivent sortir de cela. Oui, frère. Christ est mort. Oui. Et plus. Mais il est mort. Et bien plus. Il n'est pas mort, c'est mort. Le fait qu'ils sont morts, ça a cause de nos failles, de nos impurités, de nos maladies spirituelles, qu'il est mort. Mais il est mort. Quand tu meurs là, on dit après la mort, il n'y a rien. Après la mort, on ne peut plus rien faire. La mort, c'est la fin. Bien, c'est sûr.
il y a une vie qui est plus. Alléluia. Ça vous dit, le petit démon qui t'a dit, le mauvais esprit qui est en train d'habiter en toi, Christ lui dit, ce que tu es en train de faire, ce que tu réclames dans la vie de mon fils et de ma fille, j'ai déjà payé cela, j'ai pris cela. Amen. Non plus. Quand même que j'ai pris cela, c'est à dire que tu vas rester là. Amen. Non. Tu dois dégager. Comme Jésus le ressuscité, sa vie doit ressembler à la mienne. Amen. Il faut devenir maintenant semblable à ce que je lui ai promis. Amen. C'est la foi qui parle. Amen. Nous devons avoir cette vision, cette manière d'appréhender les choses de Dieu. Et le Seigneur le fera dans notre vie. Amen. Oui, frère. Oui. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Oui. Il est ressuscité. Il est ressuscité, oui. Il est à la droite de Dieu. Oui. Et il intercède pour nous. Bien vrai. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, le Seigneur, les hommes t'ont abandonné, ils t'ont oublié. Mais le Seigneur, il intercède pour toi. Amen. Ça vous dit? Dieu, Jésus-Christ. Il ne joue jamais. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu l'a toujours exaucé. Amen. Si tu vas te prier, c'est là que des personnes vont y aller. Marie, elle est morte. Marie doit prier pour elle. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans les séjours de mort où elle est là, elle comme tous les autres. Marie n'est jamais montée au ciel. C'est l'écrit nulle part. Un seul est monté, c'est Jésus. Alléluia. Marie n'est pas encore ressuscité. Un seul est ressuscité, c'est Christ. Alléluia. Et comme il est ressuscité, il est monté et il est assis à la droite de Dieu où il intercède à notre faveur. C'est le seul qui intercède. Regardez-le ça. L'accusateur, le menteur, le séducteur, le déstabilisateur. Alléluia! C'est lui! Il trompe les hommes. Oh! Comme c'est sa maman qui est là, il est en train de distraire les hommes. Si tu passes par la maman, alors, comme c'est sa maman, il va t'écouter. Qui a dit que les traditions des hommes sont les traditions de Dieu? Alléluia! Il y a un seul médiateur. Alléluia! Entre Dieu et les hommes. La Bible n'a jamais parlé de médiatrice. Parce que Marie n'a jamais versé son sang pour quelqu'un. Le seul qui a versé son sang. Le sang de Marie est souillé. Alléluia. Amen. Le sang de le sang est pur. C'est le sang de Christ, notre Seigneur. Amen. C'est pourquoi, par son sang versé, il est le seul qui intercède pour nous. Amen. C'est pourquoi, au lieu d'aller passer par des personnes intermédiaires, prends ton problème et confie-lui, confie cela à lui, Jésus. Seigneur, voici mon problème. Prie pour moi. Amen. Et lorsque Jésus priera, alors l'Esprit s'arrivera. Alléluia. Ce qu'il a déterminé pour toi va s'accomplir dans ta vie. Amen. Parce que il dit que toutes choses nous ont été données en lui. Alléluia. Ton problème, quel est ton problème? C'est quel esprit que tu ne peux pas chasser? Amen. Quelle est la situation qui t'émine? Qu'est-ce qui fait que tu ne t'épanouis pas comme un vrai prince, une vraie princesse, une fille et un fils de Dieu? Parle-lui. Dis à Jésus ce qui ne va pas. Et tu verras que ça ne va. Alléluia. Oui, bien aimé, nous continuons. Le verset 34. Oui. Il est condamnera, il se voit bien plus. Il est ressuscité, il est à la porte de Dieu et il est intercède pour nous. C'est le seul qui intercède. Je ne dis nulle part de la parole que une autre personne n'a pas qui s'intercède pour nous. Il a dit que le Saint-Esprit intercède avec les soupirs. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas deux personnes, c'est la même personne. Alléluia. Oui, frère. Qui? Le verset 35. Verset 35. Écoutez maintenant. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Bien-aimé,
entre nous. C'est qui? Qui va venir te séparer de l'amour de Christ? Qui? C'est ton frère. La meilleure manière de se séparer, quand quelqu'un agit mal avec toi, tu sors du cadre de la parole de Dieu pour lui répondre. Quand tu fais cela, tu te sépares de l'amour de Dieu. Ah, c'est à cause des petits esprits. À cause du petit comportement de ton frère et de ta soeur. Alléluia. Toi-même, tu es ma frère à sortir du cadre de la parole de Dieu pour parler à ton frère ou bien pour agir mal. À cause de quoi? Ce n'est pas par moi que le diable va venir passer pour me permettre de me séparer de l'amour de Dieu. Chacun doit prendre garde à la manière dont il se conduit. Si nous prenons garde, c'est en ce moment-là que nous serons des meilleurs frères et des meilleurs soeurs pour les uns et les autres. Amen. Parce que le diable ne peut pas avoir ça. Alléluia. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? La question est pour vous. Non, vraiment. Pour moi, il y a une seule chose. Frère, c'est pas ça. Mon mari, là, je l'aime trop. Je l'aime, hein. Pour l'instant, je vous regarde, je ne m'occupe même pas de vous, hein. Rien ne peut m'arriver. C'est mon mari seul qui peut me perturber. Ton mari n'a pas le droit de te perturber. Alléluia. Ton épouse n'a pas le droit de te perturber. Il n'y a rien qui doit pouvoir te séparer de l'amour de Christ. Qui? Alléluia. J'étais en train de dire. Dans les évangiles. Et le Seigneur m'a dit une parole forte. Celui qui ne l'est pas. C'est écrit, hein? Je veux qu'après, il vous donne le passage. Celui qui ne hait pas son père, sa mère, son frère, sa soeur, son mari, son époux, alléluia, ses enfants n'est pas digne d'être le disciple. J'ai dit ça. J'ai dit mais non. Pourquoi le Seigneur me dit ça? Haïr. Comment on peut haïr son papa? Marie, sa femme, ses enfants, pour être disciples de Christ. Alors, le Seigneur m'a envoyé à Dieu, et le Seigneur m'a dit, cela veut dire quoi? Il ne faut jamais soutenir ces personnes-là dans leurs effets négatifs. Quand bien même ils agissent mal, il faut prendre position pour la parole. Amen. Même si c'est ton père, même si c'est ta soeur, même si c'est ton frère, même si c'est ta part, même si c'est vous, prends toujours position pour la parole de Dieu. Et Marie, c'est Dieu qui t'a donné. Femme là, qui donne? C'est Dieu. Enfant là, qui t'a donné? C'est Dieu. Quel est-ce qui cherche celui qui ne trouve pas? Un frère, une soeur, qui a donné? C'est Dieu. Mais il y en a qui n'ont ni frère, ni soeur, qui sont unis. Alléluia. Alors, tellement ils sont à la recherche de frères et de soeurs, même ils n'en ont pas, ils prennent les cousines et les cousins pour faire, pour en faire leurs frères et les soeurs. On en a vu, on en a. C'est vrai. C'est chaud. C'est le monde. C'est la vérité. Ce qui est, c'est la parole. Ah. C'est Dieu. C'est pourquoi, quand on appartient à Christ, il n'y a rien. Il n'y aura rien qui viendra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Sera la tribulation ou l'angoisse. Bien-aimé, la tribulation, tu ne comprends pas. Elle sera dit en vrai. Alléluia. Ça peut arriver. Quel frère, par son passage, a dit, puisse être persécuté d'un vrai. Ça peut arriver, mais c'est momentané. Mais un frère, toujours c'est lui qui persécute les autres. Toujours c'est lui qui est au devant de tout. Toujours c'est pas ta bouche, on entend les mauvais propos. Toujours c'est lui qui agresse. Toujours c'est lui qui menace.
frère là, il y a quelque chose qui ne va pas arriver. Parce qu'il ne devient plus l'instrument de Dieu. Il devient un pratiquant de l'iniquité. Le frère peut l'utiliser. Et puis il peut mal agir, à l'instant même il se lève, il se rachète, parce qu'il a agi, il a mal agi. Mais le frère, il glisse. Et puis nous, il a glissé, il est tombé, il nage dans ce qu'il est tombé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a qu'à prendre garde. Parce qu'il devient un ouvrier de l'iniquité. Or, nous savons que celui-là qui devient pratique l'iniquité, nous savons sa destination. C'est pourquoi même quand on marche, on doit faire attention de la manière dont on marche. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu tombe. C'est vrai. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu te bouche. C'est vrai. Mais il ne faut pas te coucher là où tu as couché. Il ne faut pas rester là où tu es tombé. Sors rapidement de cela pour te montrer que tu appartiens au Seigneur. Et puis, ce n'est pas par moi, ni par toi mon frère, ni par toi ma soeur, que le diable va lui danser sa danse. Mais c'est Dieu qui doit danser sa mélodie en nous. Parce que nous lui appartenons. Alléluia. Est-ce la tribulation maintenant? Si le frère ne comprend pas, et que le diable l'utilise de votre foi, il ne persécute que d'autre, c'est lui Jésus-toi. Mais ça donne cette tribulation-là. Que toi aussi, tu dois te laisser saisir par le péché, que toi sortir de l'amour de Dieu, jamais de la vie. La tribulation ne peut pas permettre à un enfant de Dieu d'abandonner l'amour de Dieu. Alléluia. Est-ce la tribulation ou l'angoisse? Tu as angoissé. Tu es soucieux. L'angoisse à nous. Oh, c'est difficile. Mon mari n'arrive pas à me donner la nourriture chaque jour. Comment je vais faire pour manger? Mes enfants, c'est dur. Quand je regarde autour de moi, tout semble noir et difficile. Mais quand c'est dur, et comme c'est difficile, est-ce que c'est cela qui va t'empêcher de venir à l'église pour aimer ton Seigneur? Amen. Est-ce que c'est cela qui va t'empêcher de vivre l'amour de Dieu? Est-ce que l'angoisse va t'empêcher d'entrer dans ton élection? L'angoisse, tu ne veux pas. Chacun a son angoisse. Pour certains, c'est le mari qui ne comprend pas. Le mari ne se comporte pas comme il le faut. Il ne veut pas à l'église. Il se comporte de manière extraordinaire. Mais Dieu se l'a dit, oh. S'il est un fils d'Abraham, il sera tourmenté par le Seigneur et il ne va pas venir s'asseoir. Tu dois demeurer de l'amour de Dieu par la prière et par la persévérance de ta foi. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Et bien, nous continuons à nous. Sera la tribulation. La tribulation ou la mort, oui. Ou la persécution. Ou la persécution. Oui. Ou la nudité ou le péril ou l'épée. Oui. Je connais quelqu'un. Il dit comme il n'a pas assez d'habit. Mais moi, je ne peux pas venir à l'église. Bien aimé. Si Dieu t'a donné un pantalon et une chemise. Si tu portes la tribu, tu dis sans sentir, nous les garçons, je connais. Mais quand le garçon est quelque part, et qu'il n'y a pas assez de jet de sang, on sent l'odeur du garçon. Quand j'arrive à la porte, c'est que c'est un garçon qui habite dans le milieu. Donc il y a l'odeur du garçon. Mais si tu es un garçon, et que Dieu, financièrement, n'est pas encore visité parce que le temps va venir te visiter, ton son, le pantalon et ta chemise, le soir, la nuit avant de dormir, tu te lèves, tu laves ça. Puis, tu laves la chemise. Matin, bonheur, quand tu vas monter, tu vas sentir bon. Et puis, tu veux t'asseoir. Et puis, tu lèves la tête. Tu dis, Seigneur, je suis là. Je suis pasteur.
Je connais la situation. Mais, des frères en Christ, tellement que la situation était pénible, on dit le frère est-ce qu'il est propre. Mais, ma chaussure était usée. Mon pantalon était délavé. Ma chemise était délavée. Mes habits que j'avais, tellement que ça durait avec moi, ça a été délavé. J'attendais de l'argent, mais l'argent ne venait pas. Et puis les bien-aimés ont dit, hey, le pasteur là, vraiment, c'est sa chemise, là, c'est sa fille, là, c'est de la mer. Sa chaussure, là, même la carte, c'est des cartes, la chaussure, là, est fatiguée. Mais comme il en devait bien, la chaussure essaie de tenir, mais la couleur, c'est plus ça. Et puis j'ai entendu une fois, deux fois. Alors, je suis allé au moment de Dieu. Mais en ce moment-là, l'effet était sorti. C'était difficile. Comment faire? Ma maison était payée 16. Mais pour manger, il a fallu que je me prenne en charge. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc ce n'est pas à qui m'a payé. Alors je fais quoi? Bien aimé, je m'occupais de certaines personnes. Le peu d'argent que j'avais, je ne peux plus penser à moi. Je veux mettre ça à la disposition de ceux-là ou de ceux-là à qui je m'occupais. Et je fais quoi? Je me lève par les rentes de dans le pantalon de la vie, dans la chemise de la baie, avec la chaussure et le mal qui était brisé. Alors je suis allé devant le Dieu et j'ai dit aux éclairs. Je sors de ma vie de moi. Tu as vu ce qui se passe. Regarde ma chemise. Regarde mes pantalons. Seigneur, où tu es? Alléluia. Une semaine après, Dieu m'a donné de l'argent, j'ai changé de parler. Et quand on regarde cela, est-ce que c'est ce que vont dire les uns et les autres? Mais en moment de nous, c'est que les mecs qui parlaient même, c'est eux-mêmes qui vont me donner l'argent pour que moi je m'habille. Mais l'homme il est comme ça. Il parle. Parce qu'il ne pense qu'à lui seul. Mais les serviteurs, c'est le peuple qui doit prendre soin d'eux. Alléluia. Mais est-ce que cela m'empêchait? La deuxième fois qu'on fait ça, là, quand même, je les vois, je les aime. Et puis quand ils ont un problème, ils viennent dans cette envie de la paix là. Et puis celui de la paix qui résout les problèmes. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. Bien-aimé. La terre était dans la caisse. Ça appartient au pasteur d'abord. Mais j'ai fait plus de ça. Parce qu'on doit prendre s'occuper du pasteur d'abord. J'ai dit non. C'est pas normal. C'est vrai. Mais il n'y a pas beaucoup d'hommes, il n'y a pas d'argent. On va partager un peu de tout. Et c'est peu de Dieu, bon, je vous ai fait un peu de cela. Tout le monde va être content. La bénédiction, ce n'est pas la persévérance. Avec le temps, Dieu va venir tout le monde. Ce n'est pas un problème qui va te séparer de l'amour de Dieu. Et ça, il faudrait que nous comprenions. Bien aimé, quel que soit ce qui va se passer, rien ne va te défaire de l'amour de Dieu. Oui, quel est le mot dans le livre de Dieu. Écoutons bien. Oui. Verset 36. Oui. Selon qu'il a écrit, d'à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Oui. Mais dans toutes ces choses, oui. Nous sommes plus que vainqueurs pour celui qui nous a aimés. Nous sommes comment? Plus que vainqueurs. Alléluia. Mais c'est pour toi, t'es aimé. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Nous allons continuer. Car j'ai l'assurance que ni la mort. Ni la mort, alléluia. Oui. Ni la vie. Ah, la vie. Amen. La vie. Les jeunes filles, ben, elles ont été réunies auprès de toi. À cela vient, tu vois les poulets qui sont aussi. Dieu te donne la gare. Et tu vas, tu viens, mais dis donc, est-ce que tu ne peux pas faire un procès là-bas? La vie ne doit pas te distraire. Alléluia. Amen. Les jeunes filles, ben, elles ne doivent pas.
c'est lui. Amen. Quand tu es en Christ, ces choses-là ne t'intéressent plus. Alléluia. Amen. Rien ne peut t'empêcher d'aimer le Seigneur. Oui, frère. Ni les anges. Même les anges. Mais aujourd'hui, il y en a qui vivent les anges. Parce qu'on dit que les anges sont puissants. Mais le Seigneur est davantage que les anges. Alléluia. Amen. Même pas les anges. Oui, frère. Ni les dominations. Même les dominations. La forme mystique. La sorcellerie, l'occultisme, alléluia, la rose en quoi, la sorcellerie, rien ne peut t'empêcher d'adorer Dieu. Oui, frère. Ni les choses présentes, ouais. Ni les choses à venir. Mais les choses présentes. Ton problème est qui t'est mis. Ton espoir, ton désespoir, tout ce qui est à toi de s'écrouler sur toi, rien ne peut t'empêcher, alléluia. Oui, frère. Ni les puissances, ouais. Ni la hauteur, ouais. Ni la profondeur, oui. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. 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 Tu n'aimes pas le Seigneur pour quelqu'un. Amen. Tu aimes le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Tu sais où tu as posé les pieds et où il t'a mis. Tu sais ce que le Seigneur est pour toi. Alléluia. Amen. Tu sais qu'il t'appartient et que tu lui appartiens. Que le Seigneur soit le plus béni de ta vie. Amen. Adorons Dieu de la bonne manière, bien aimé. Ne nous laissons pas distraire dans les Amen. Rélevons-nous de nos suites. Sortons de nos difficultés. Confions-lui nos vies. Amen. Et le Seigneur est juste fidèle pour les résoudre. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.